Graou à tous, c'est Seldel. On continue Hollow Knight et on continue surtout le 100% ou en tout cas la complétion des événements secondaires, mais qui reste quand même assez important, j'ai l'impression, quand même dans le jeu. Ça permet de découvrir plein de petites choses super sympas dans le jeu. Dans le dernier épisode, on a fait plein de petites choses. Initialement, on devait faire le Colisée 3, ce qui est ce qu'on va faire aujourd'hui en réalité. Parce que entre temps, eh bien, on est allé du côté donc ici. Sous le village des Mantis, donc on a sauvé un personnage secondaire, un PNJ qui à présent est dans la ville de Dortmouth. Et puis on est retourné voir le papa chenille qui avait l'air d'avoir bouffé ses bébés. Ça m'a fait assez bizarre. Bon, j'avoue que j'ai pas toujours pas compris depuis tout à l'heure, moment où j'ai tourné la vidéo. C'est pas grave. Et puis on est retourné au Colisée, et en fait, plutôt que faire le niveau 3, parce qu'on était un peu avancé à l'épisode, on a fait le premier niveau de difficulté qui nous a emmené. Alors faut que je change juste hop, des choses. Juste parce qu'à la fin il y avait un combat amusant contre Zot. Zot qu'on avait sauvé juste avant. Alors du coup je sais pas ce que je vais prendre en capacité supplémentaire. Ça je m'en fous. Ah, en taille rapide ça je voulais. Longue lame, donc a priori ça se combine avec longue portée mais pas beaucoup. Et qu'est-ce que j'ai en niveau 1 intéressant? Bon, je vais peut-être prendre ça, ou est-ce que j'ai un niveau 2 qui m'intéresse et je vire le... Il manque encore quand même un bon paquet de charme. Hein. Je pense que je vais faire ça. Je pense que ça c'est moins puissant. On verra. Et puis... Ouais, je crois pas qu'il y ait autre chose. Écu défenseur... Ouais, bon, on va faire comme ça. Je pense que je suis pas mal. Allonge d'attaque. Ah mais non, ça je peux le virer. Ah du coup est-ce que j'aurais pris ça? Ah. Allonge et rapidité pour l'attaque, ça c'est sûr, je veux. Ça je peux pas me soigner, donc c'est pas terrible. Quatre, c'est bête, je peux pas d'un. Je vais peut-être garder ça, hein, tant qu'à faire. Attaquer vite, attaquer fort. Et pouvoir attaquer à distance si je suis full life. Bon, on va tenter, hein, honnêtement, je sais pas à quoi m'attendre. Du tout. Donc on verra bien. C'est peut-être mieux de faire une série de trucs qui valent les 1 point. Mais j'avoue que je sais pas trop. Allez. 800 pour ouvrir. Et on va se lancer pour de bon. Donc sachant que la particularité, c'est que cette attaque à distance, elle a l'air super bien. Merde. Si elle a l'air super bien. Il y avait quoi à gauche déjà? Pas grand chose. La particularité de l'attaque à distance, c'est que quand elle touche l'adversaire, elle ne me rapporte pas d'âme. Donc ça, c'est le problème. Ah, il faut ouvrir. Du coup, il faudra que je fasse attention à ça. Et donc, on est parti pour au moins 10 minutes de combat. Un peu de stress. Parce que je sais que ça va être long et périlleux. Et que se faire toucher, ça va très... très vite. Alors qu'est-ce qu'on va me préparer? Thank you.
Bon, pour l'instant, je profite de mon attaque à distance, évidemment. Ah, j'avais pas vu l'ennemi au sol. Ah, je suis retombé dessus. Oh, ça, c'était pas prévu. Oh, j'ai poussé les monstres dedans. Là, il m'est revenu. Il y en a qui s'est suicidé. Bon, premier round, easy. Ils ont tué tous leurs potes. C'est quoi ce truc? Ah, je crois que je les avais déjà vus à un endroit, ça. Et ils aiment bien ces ennemis. Ok. Oh. Oh putain, mais main quoi. Oh là là, c'est quoi ça, voilà. Bon, le guerrier a pas l'air de vouloir trop venir m'agresser. Ah non, pas eux. Yeah.
non. Oh, putain, j'avais pas vu le monstre en bas. Ok, maintenant on nous fout des limites des mini-boss. Je rappelle que c'est un mini-boss à la base. Hein. Le problème c'est que ce boss se téléporte. Punaise, mais les mobs qui me popent dessus quoi. Ah, j'ai pas réussi à m'accrocher au bord. Non. Oh punaise, mais ce truc à tête chercheuse, que de l'enfer. Ah, ils sont infâmes ces monstres. Bon. On va peut-être changer des choses. Ça, je m'en servirai pas, l'attaque chargée, je m'en sers jamais. Quatre, c'est trop. Bon, on va repartir avec ça. Ah mais mon âme elle est là. Ah, c'est à ça que sert cette pièce. Bon, du coup on va retenter. Le début était plutôt simple, mais la partie avec les ennemis qui volent et qui attaquent de loin, ça c'est un truc qui me dégoûte. Les ennemis volants, c'est vraiment les pires dans ce jeu. Mon attaque à distance était cool, mais au bout d'un moment, quand on commence un peu à se faire toucher, on n'arrive jamais à remonter à fond, c'est là, ça sert vraiment plus à rien. Donc. Au moins là, l'attaque me reculera pas. Allez, c'est reparti. Ok, ça commence mal. Putain. Ah.
Putain, même de là, il arrive à me toucher, quoi. Ah, mais quand il attaque, il avance en même temps. Bon. J'avoue que le fait d'avoir pris le truc du roc, c'est quand même vachement pratique. Ouais, mais je l'ai tué en deux coups. Hein. Ah oui, c'est l'attaque en bas. J'arrive pas à sauter. S'il te plaît. Là, je vais profiter de mon aide de la vie parce que je suis un peu isolé. Phase rigolote. Ou pas. Ah oui. Toujours le même, le truc qui me touche. Hein. Non, en revenant, il vient me toucher. Allez, le début des emmerdes. En plus, ils sont pas résistants quand on les touche, c'est ça qui est rageant.
vraiment les avoir vite. Aïe, c'est là que je suis mort tout à l'heure quand on a combiné les deux. Non, je me suis re-téléporté dessus. Oh là là. Je pense que c'est pas si mal mon build, faut juste pas que je me fasse exploser. Il y a un moment, j'ai absolument voulu bourriner dans une situation que je trouvais vachement dangereuse et du coup j'ai pas arrêté de me faire toucher n'importe comment. Pfff. 50 épisodes plus tard. Ça, c'est fait. À trois coups, c'est pas trop pénible pour les tuer. Oh punaise, même quand je l'évite, je me fais avoir. Bon, l'autre je l'ai coincé, c'est très bien. C'est plus simple par en haut hein, quand même. Thank you.
Bon, c'est là que ça commence à devenir compliqué, je crois. Non ? Encore. C'est là en fait que ça devient sérieux. Voilà. Ce qui est bien, c'est que les mobs qui restent au sol, ils permettent de pas finir le round. Par contre, ces fantômes-là, ils sont pénibles. C'est les mêmes fantômes qu'il y a pendant le vaisseau brisé. Ah, et là, c'est la fameuse partie de plaisir. On peut pas s'accrocher au mur de droite, j'ai l'impression. Je sais pas trop ce que j'ai fait. Il se téléporte à chaque fois, je me mets en endroit éloigné de lui, et à chaque fois il se ramène là où je suis. Oh punaise. Calmos. Putain, j'ai oublié. Putain, je saute, il se réapparaît juste au-dessus de moi. Ah punaise, j'ai oublié que ça pourrissait le sol. C'est quoi ce tour? C'est quoi qui me touche? Oh, je l'ai tué en même temps, je suis mort. Oh. Il est épuisant ce troisième Colisée.
Allez, cette fois c'est la bonne. À chaque fois je vais un peu plus loin. T'as les mages volants, c'est ignoble. Pour l'instant, je peux me permettre de charger comme un bourrin, hein. Évidemment. Ah bah bien sûr, si l'écran monte pas pour montrer les ennemis, c'est pas pratique. Ok, ça c'est fait. Allez, les zones qui commencent à être bien chiantes. Ok, donc là, la partie compliquée. Mmh.
Ah, punaise. On se laisse pas surprendre. Ah, c'est parce qu'elle fout des coups de patte quand elle est proche du bord. Ok. Il est tordu. Ah, ok. Ça, on me l'avait déjà fait. Par contre, on peut pas se soigner, évidemment. Ils suicident tous ou presque. Faut voir, prendre de la vie tant que je le peux. Oh, ce stress. Oh, c'est pas fini. J'ai l'impression que c'est un barreau d'honneur de tous les ennemis qu'on a croisés. Putain, je suis en stress, j'ai l'impression d'être encore un point de vie comme tout à l'heure. Quand il y a juste un ennemi comme ça, ça va, on a large le temps de se remettre de la vie. Fini? Non. Ah, cette fois, il y a le vrai boss de fin. Ce sera pas Zot, je pense. Oh.
Mince. J'étais si près, je suis sûr que c'était la toute fin. Je leur ai mis combien de coups sans qu'il y en ait un ou l'autre qui meure? Le petit, je me suis acharné dessus. Non, autre sens. Ah, je suis vidé. Quand j'avais un point de vie, que j'étais dans la toute petite cage minuscule avec le moustique et tout, j'étais tellement en train de me faire dessus. Oh, je suis tellement HS. Bon, on va s'arrêter sur cet échec, je crois. Ah, je suis bien dégoûté. J'espère qu'au prochain épisode, je vais réussir. Je me disais échouer deux fois et réussir pour la troisième, pour la fin de l'épisode, ce serait juste parfait, gestion du suspense, tout ça. Et je me suis fait un peu déborder à la fin quand même. Ah punaise. Et ben demain pour la suite. Moi d'ici là je vais me reposer, puisque là je suis en train de me décomposer. Allez des papouilles.